Hello, hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes mardi 18h, c'est notre rendez-vous hebdomadaire, notre rendez-vous quotidien, notre rendez-vous bien-être. Donc aujourd'hui, je vous propose une petite séance de HIIT cardio pilates. Donc on va utiliser la méthode pilates avec un mix de cardio, histoire de faire travailler aussi le cœur, on en a besoin. Avec cette méthode HIIT qui est hyper intéressante, on va utiliser un chrono. Je vais mettre un chrono derrière moi et puis, enfin devant moi, vous ne le verrez pas, mais vous l'entendrez certainement. On va travailler sur du 40 secondes, 40 secondes d'activité. J'ai choisi 6 exercices différents, donc je vais mixer un exercice de pilates avec un exercice de cardio. Donc on fera 6 exercices à la suite, 3 tours avec une récupération de 20 secondes entre chaque exercice. Et voilà, le principe, c'est vraiment de se faire plaisir, de se donner comme on peut se donner. D'accord, ne vous faites pas mal. Prenez d'abord bien en compte l'exercice en lui-même, la posture dans l'exercice, la respiration. Si vous pouvez la placer, c'est quand même mieux. Sinon, vous allez mourir tout simplement. Donc voilà, se faire du bien, se faire plaisir. Profitez un petit peu de la verdure. Faites ça dehors si vous pouvez, si vous avez l'occasion d'avoir un petit bout de jardin, un petit bout de terrain, aller dans un parc et tout ça. C'est vraiment sympa si en ce moment il fait beau. Donc voilà, bougez, sortez. Et continuez à faire ce que vous faites. Je sais que vous êtes régulier, ça me fait énormément plaisir. Si vous me découvrez, eh bien, je m'appelle Aurélie, je suis professeure diplômée, pilates, yoga. Et voilà, c'est ce que je fais essentiellement sur cette chaîne Happy Coach. On a besoin de quoi? On a besoin d'un tapis, on a besoin d'une paire de baskets, une tenue dans laquelle on est confortable, on a besoin de boire un petit peu, donc prenez une bouteille d'eau à côté de vous. Ça dure pas longtemps, ça dure 18 minutes au total, la séance en elle-même. On va faire quand même un petit peu d'échauffement, échauffer ses articulations, commencer à mettre un petit peu son système cardio-respiratoire en fonction, même s'il est déjà en fonction, hein, depuis que vous êtes né, n'est-ce pas? Mais voilà, on va faire tout ça ensemble. Ok, vous êtes prêts? N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à partager cette séance et à vous abonner à la chaîne, c'est quand même plus sympa d'être tenu au courant de tout ce qui va se passer ici. Je me recule, normalement, hop! Vous me voyez bien, je fronce un peu les sourcils, ça me fait un peu de ride au front, mais on s'en fiche, c'est le soleil. Alors on va démarrer avec des petits mouvements dynamiques comme ceci, des petits step touch comme on les appelle en fitness, parce que oui je suis aussi prof de fitness. Et voilà, on fait des petits mouvements de droite à gauche, des grands pas, droite, gauche. Si on est à l'inverse, hein, c'est pas grave, on s'en fiche, si on n'est pas en même temps c'est pareil, on s'en fiche. L'important, c'est que vous puissiez chacun à votre rythme, vous échauffer. Vous placez les talons sur les fesses, histoire de chauffer, de tirer un petit peu cuisse, chauffer ischio, fessier, adducteur, histoire de ne pas se faire un claquage. Hein. Oui, un petit claquage, ça fait pas plaisir. Hein. Les courbatures, oui, les claquages, non. Ok, donc on vient botter ses fesses. Sinon, c'est moi qui vais le faire à votre place. Ok, maintenant, on lève un petit peu les genoux. On peut revenir tout simplement les lever dans l'axe de la hanche ou bien aussi faire des petites ouvertures, des petits circulaires. Voilà. Je dis tout le temps, ça, c'est le footballeur qui s'échauffe comme ça. Ok, super. On met les pieds ici au sol et on va bouger un petit peu le tronc, le buste. Oh, ça fait vraiment du bien d'être au soleil, là, de bouger. Alors bien sûr, il est 18h, le soleil est un peu moins présent peut-être chez vous. Ah, en inclinaison latérale, histoire de bien chauffer les obliques, les épaules aussi, le dos, la poitrine. Voilà, tranquillement, sans forcer. On est en échauffement. Hein. Très bien. Ok, on reste au centre. Enroulez vos épaules dans un sens, puis dans l'autre. Des grands circulaires, en levant les coudes. Voilà, tranquille. Rétroversez un tout petit peu le bassin. Des fois, on est comme ça, le cul en buse. Donc, rentrez un peu les fesses, activez les abdominaux. Ouvrez la poitrine. Tenez-vous bien droit, bien droite. Ok, on relâche. Les poignets dans un sens et dans l'autre parce qu'il y aura un exercice en appui sur les mains. Vous pouvez aussi bouger tout doucement votre tête. Le cou, c'est important de l'échauffer. Parfois, il y a de la raideur dans cette zone.
Donc on étire, on échauffe. Hop, dans un sens, dans l'autre, tout doucement. Bien. On revient au centre, on fait des petites flexions. On pousse les fesses en arrière. Le but ici, c'est pas de descendre au plus bas, d'accord? C'est bien comprendre que la flexion, elle est ici au niveau des genoux. Il y a une légère flexion du buste à l'avant, mais ce n'est pas essentiellement une flexion du buste à l'avant. Il y a les jambes qui se plient dans le mouvement. Ok? Très bien. Super. Voilà. Donc le premier exercice, ça ressemblera à peu près à ça. On va faire une flexion en étirant les bras vers l'arrière. On va revenir en appui sur la jambe gauche et on va lever les bras vers le ciel pour essayer d'être en équilibre sur une jambe. Vers l'arrière les bras, squat, lève le genou, pousse les bras vers le ciel. Là et devant, devant et vers le ciel. Ok ? Donc forcément, ce qu'on va faire pendant 40 secondes à droite, enfin avec la jambe droite qui bouge là, il faudra le faire de l'autre côté. D'ailleurs, on va le faire maintenant, ok, histoire de s'échauffer. Donc je tends mes bras vers l'arrière, je reviens, hop, il y a une légère rotation vers l'intérieur pour pousser les bras tendus et allonger le dos vers le ciel. Imaginez les mains en plateau, on vient vraiment pousser le plafond, ok. Je ne sais même pas si vous voyez mes mains avec le cadrage exceptionnel que je vous ai fait. Donc 40 secondes sur la jambe droite et 40 secondes sur la jambe gauche. Si vous avez bien compris le principe, on ne va pas enchaîner la droite et la gauche. Il y aura jambe droite, 20 secondes de récup, un exercice cardio, 20 secondes de récup, puis de nouveau sur la jambe gauche. Ok ? Donc en exercice de cardio, sur le premier, au lieu de faire des step touch, sans impact, ça peut être ça, hein. Ton option, ça peut être ça. Tu vas me faire des patinages, ok, avec les bras tendus, et on va chercher loin vers la droite et loin vers la gauche. Donc ça, c'est le premier exercice cardio qui sera entre les squats et levées de genoux, ok. Deuxième exercice cardio, puisqu'on a vu, hein, sur la jambe gauche, deuxième exercice cardio, ce sera jumping jacks, genoux, jumping jacks, genoux, ok. Très bien, jumping jacks. Dans le jumping jacks, les pointes de pied, les genoux sont tournés vers les extérieurs. Ok, on garde le dos bien droit. Ok, on peut rajouter les bras si on se sent suffisamment à l'aise dans la coordination. Peut-être que ça viendra au fur et à mesure. Ne vous frustrez pas si les bras, c'est pas élégant. On s'en fout, hein. Ok. L'exercice numéro 5 de Pilates, on se met en position à quatre pattes. Les épaules au-dessus des poignets, les hanches au-dessus des genoux. On va faire dos rond à l'expire. Inspire, dos creux, à plat. Donc on va crocheter les orteils, décoller les genoux, pousser les fesses vers le plafond. Ok, et descendre en freinant pour engager le centre. On repose les genoux. Dos rond, dos cambré, gaine, décolle, hop, et ralenti. Ok, dos rond, dos cambré, dos plat, chapeau, et ralenti pour reposer les genoux. Ok, dernier exercice cardio en position debout. Ok, on va faire du tipping, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 1, 2, 3, 4, et 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et le tour sera terminé, sauf qu'on ne le fait pas une fois, si vous avez bien compris, on le fait trois fois. Prions le Seigneur, on va y aller. Vous êtes prêts? Vous pouvez boire. Premier exercice, squat. Bras en l'air, jambe droite. Deuxième exercice, cardio, t'as tout compris. On peut y aller. Are you ready? Ouais, c'est sûr. Allez, pas peur, on n'a pas peur. Je me recule un peu, je vais sortir du champ de la caméra. Et je mets le chrono. Dans 10 secondes, c'est parti, messieurs, dames. Je vous souhaite à tous une bonne expérience. Allez. C'est parti. Premier exercice. Pensez bien à la posture, au centrage.
à l'équilibre, la concentration. Donc on va essayer de monter le genou le plus haut, de descendre le squat le plus bas. Étirez les bras vers l'arrière, redressez-vous. On est en appui sur la jambe gauche. Ok? Vous ne voyez plus mes bras. C'est pas grave. J'avais oublié que j'avais des bras, de longs bras. Hop. Allez, on descend. Comme si on voulait, aussi on peut toucher le sol, tu vois. En arrière et en haut. En arrière et en haut. Je parle des bras. Hein. Ok, 20 secondes de récupération. Deuxième exercice, c'est le cardio. On fait des patinages ou des step touch. Avec style ou sans style. J'avance un petit peu mon tapis histoire de ne pas me croûter. Deux, c'est parti. Allez, on balance les bras et on fait un grand pas. Je croise un peu la jambe derrière. Voilà. Les bras parallèles au sol. Un bras sur le côté, un en diagonale vers l'avant. Allez, gère ton effort. Et vous allez être super en forme après ça. Ou pas. Non, je déconne. Oh mon chacha. Mettre un petit coup de pompe. Non, je rigole. Ok. On reprend le premier exercice côté gauche. Il est où mon chacha? Il est parti à l'ombre. 5 secondes. Prenez une grande respiration. C'est parti. Ah. Des fois, j'ai besoin de me taire. Hein. Tout simplement pour respirer. Parce qu'il ne faut pas croire que pour nous, à chaque fois, c'est facile. C'est pas vrai. Vous voyez, quand je monte le genou, mon dos ne s'arrondit pas. Je reste toujours bien engagée au niveau du centre. Ok. Ah, exercice suivant, on reprend le cardio. Je vous rappelle, jumping jacks, genou. Jumping jacks, genou. Une fois genou droit, une fois genou gauche. Petite combinaison qui ressemble à patinage et le genou qu'on a vu juste avant. Allez, c'est parti. Hop, hop. N'oublie pas la pointe de pied, les genoux à l'extérieur. Si tu veux, hop. Allez, c'est bon, on y va. Hop, voilà. Tout, tout, tout. Cardio, hein. Ça peut être aussi ça. Hein. Hop, hop. Ok. Exercice suivant. Prenez votre tapis. On appuie sur les mains. Dos rond, dos cambré, dos plat, chapeau. Et on descend tout doucement pour reposer avec délicatesse ses genoux sur le sol. En gainant le centre. Dos rond, dos cambré, sortez la tête, dos plat, hop, on monte les fesses et là on descend, tout doux. Dos rond, souffle, hop, et ralentis. On ne va pas en faire beaucoup. Ce qu'il faut, c'est se concentrer sur les amplitudes, sur l'allongement des membres, des muscles, sur la mobilité de la colonne vertébrale, l'engagement du centre. Hop, et là on ralentit. Il faut que la tête elle soit mobile dans l'exercice. Il faut qu'elle bouge toujours en relation avec l'axe de la colonne vertébrale. Ok, je crois que j'en ai fait 4 ou 5 d'exercices. Tu vois, je ne peux pas en faire plus si vraiment je veux contrôler. On est en pilates. Le pilates c'est du contrôle. Qu'est-ce que c'est ensuite? Tipping et saut ski. Bon, on l'appelle comme ça. Je sais pas, moi je me suis jamais fait ce délire là au ski, mais on l'appelle comme ça. Alors, tipping, 1, 2, 3, 4, et 4, 5, 6, 7, 8, et 1, 2,
3, 4 et 1, 2, 3, 4, 7, 8 et 1, 2, 3, 4 et chou. 1. Enfin, je me vois pas sur les pistes vertes en train de faire ça comme ça. Ouais, je fais des pistes vertes. Allez, garde le smile. Si tu as tendance à faire un petit peu pipi dans ta culotte, engage bien ton périnée. D'accord? On aspire sphincter, vagin, rectum pour les dames, comme si on voulait faire remonter là tout ce qui est en bas. On aspire, ok? On reprend le premier exercice, parce qu'on va faire le deuxième tour. Et ouais, déjà les gars. Squat et en haut. Come on! Je me recule un petit peu. Donc là, je ralentis. Je n'ai pas besoin d'en faire des centaines. Ok, puisqu'après, je fais du cardio juste derrière. Je me concentre sur la flexion de jambes, le monté de genoux, en étant en équilibre sur ma jambe gauche. Mes bras vers le ciel, j'allonge le dos. Voilà, très bien. Respirez. Ok. Patinage. Je commence à être un peu essoufflée. Hein. Ah. Mais bon, je me dis quand même, Aurélie, tu t'es acheté un super maillot de bain. Il va falloir quand même. Voilà. Sculpte un peu ton corps. Hop. Voilà, ça peut être une petite motivation, mais ma plus grande motivation à moi, c'est surtout d'être en bonne santé. Bon, forcément d'être jolie sur la plage, c'est surtout d'y aller longtemps avec mes enfants. Hop, allez. Secondes. Donc n'oublie pas l'option, hein, sans sauter. Ok? On peut démarrer en sautant, voir un petit peu combien de temps on peut en faire. Et puis après, ralentir et puis faire des step touch avec les bras tranquilles. 20 secondes. Squat, genou, côté gauche. Allez. Essaie de lever au moins ton genou à hauteur de ta hanche. Histoire de bien travailler sur la partie basse des abdos, comme ça. Travailler un petit peu sur tout ce qui entoure la hanche aussi. Allez. C'est pas ça, hein, je te rappelle. C'est pas simplement le buste qui descend vers l'avant, c'est je baisse les fesses. Ok, 20 secondes de récup. L'autre exercice, c'est jumping jacks, saut jambes écart, genou à droite, genou à gauche. J'espère que vous passez un bon moment. Vous me l'avez réclamé un peu, tu vois, ce cours. C'est vrai que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. Hop. Hop, là, et hop. Ta-ta-ta-ta-ta. Pareil, hein, je rappelle, garde le dos bien droit, et c'est pas ça, c'est pas chier, garde le dos droit, allonge les bras, sur les côtés, tes pointes de pied, allez, vas-y, ah là là là. Tu peux accélérer si tu veux. Et ok, on reprend son tapis à quatre pattes, s'il vous plaît. Mains sous les poignets, non, sous les épaules. Dos rond, dos cambré, inspire. Pointe de pied, lève les fesses, hop, et ralentis.
pause. Dos rond, souffle, lève, inspire, décoller, gainer, lève les fesses en montagne, comme une montagne, tu vois. Expire, inspire. Dos plat, gaine, décolle les genoux, hop, et ralentis. La tête dans l'axe. Rentrez menton, sortez menton. Restez, levez et descendez. Encore. Arrondi, cambre, décolle. Ok, redresse. Super. Dernier exercice du deuxième tour. Donc, nous sommes sur du tipping, saut. Ah, ça fait vraiment du bien. J'ai chaud, mais j'aime bien. Ok, on y va. 1, 2, 3, 4 et 1, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4 et... Compte avec moi. Et 1, 2, 3, 4 et... Chut. Donc une bonne brassière, hein. Messieurs, un bon slip. Ok, dernier tour, on a fini. 6 exercices et on n'en parle plus, ok? Allez, respirez. Si vous avez soif, buvez, hein. Moi, j'ai l'impression d'être un chameau des fois, mais je vais boire après la séance. C'est important de s'hydrater. Ah déjà. Allez, ça à droite, c'est la dernière fois que on le fait. Allez, engage bien. Imagine que t'as une balle comme ça entre les jambes. Et que malgré la descente et malgré l'ouverture, continue, hein, t'essaies quand même de serrer l'entrejambe, de serrer la balle au niveau de l'entrejambe. C'est une image, hein, qui m'est venue un peu par hasard. C'est Roland Garros en ce moment. Voilà, j'ai fait une association, balle de tennis. C'est pas mal, voilà. Allez, on y va pour patinage. Pareil, c'est la dernière fois qu'on le fait. N'oublie pas l'option. Si là, tu es dans le rouge, vraiment. Hein. Après, c'est le principe du 8, hein. Se mettre dans le rouge. On n'est pas ici pour tricoter. Hein. J'adore tricoter. Et j'ai un profond respect pour les gens qui tricotent. C'est vrai. Alexina, si tu me regardes, j'ai une copine qui tricote vachement bien. Marie aussi. Ok. Squat à gauche. Il fait chaud, hein. Même dans le nord. Incroyable. C'est fou. Allez, courage. Et bonne humeur. 40 secondes. Let's go. Qui est-ce qui dit ça tout le temps? Let's go. Mettez-moi en commentaire si ça vous parle. Let's go. J'ai l'impression quand même que ma jambe, elle est de plus en plus lourde. Allez, gainez. Si besoin, ralentissez. Que les bras bougent, que le corps s'allonge. Vous travaillez sur des longs segments pour affiner les muscles. Travaillez dans la longueur des muscles, pas prendre de la masse. Allongez, sculptez. Ah. Jumping jacks, genoux. C'est parti. Sans les bras. Ok. Ouais, avec les bras.
Donc là, vraiment, d'où l'intérêt d'avoir des baskets, avoir un petit amorti. Il y a quand même de l'impact au niveau de la colonne, au niveau des genoux, des chevilles. Donc être bien chaussé. Si vous faites du cardio, du HIIT, c'est important. Ok ? Il y a de très bonnes baskets. Moi, souvent, je les achète en magasin d'usine. Et ça fait l'affaire. Hein. Là, au sol. Dos rond, dos rond. Dos cambré. Dos plat, les orteils, fesses. Et là, on ralentit. Ok, posé. Expirez. Inspirez. Dos plat, crochetez les orteils, montez les fesses, descendez les talons. Et le regard, il suit toujours le mouvement de la colonne. Ok ? Là, dans l'axe. Et je descends. Encore. Soufflez. Dos plat. Montez. Ça, c'est un peu yoga. On fait en yoga. La posture du chien, tête en bas. Mais on peut le travailler aussi en pilates. Il faut retirer le dos, les ischios. Allez, dernier exercice, messieurs, dames. Un petit peu de tipping, un petit peu de saut à ski. Elle court et sera fini. Allez, c'est parti. 3, 2, 1. Go. 3, 4 et 1. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1. 2. Ok, mettez-vous au sol tout de suite. On va faire un petit peu de gainage sur les genoux. Rétroversez le bassin, rentrez les fesses. Allez-y, gardez la tête dans l'axe. Concentrez-vous sur votre respiration. Essayez de ralentir le rythme. Ouais, je sais. Activity completed. C'était activity compliquée, ouais. Et on passe sur les pointes de pied. Rentrez bien bas ventre, nombril vissé vers la colonne, la tête dans l'axe. Ok, si on sent qu'on va lâcher, on peut poser les genoux. Si on sent qu'on a les fesses qui repartent, on ramène, pubis vers l'avant et on relâche. Posez les fesses sur les talons, tirez les bras loin devant. On peut ouvrir les genoux pour être plus confortable. Posez votre front si c'est possible. Main vers les genoux, on déroule la colonne. Placez une jambe à l'avant. Hop, pas trop à l'avant, d'accord? Juste cheville, genou aligné. On rétroverse le bassin, toujours. J'aime beaucoup ce mot, on l'utilise beaucoup. Et on va monter les deux bras vers le ciel. Monter les deux bras vers le ciel, comme au début du cours, comme pendant le cours, les paumes de main. Voilà, tourner en plateau vers le plafond. On le fait aussi de l'autre côté. Donc juste 90 à 90. Basculez le bassin, ok, et on monte les bras vers le ciel. Essayez d'étirer au maximum et relâchez. Prenez appui sur ce pied, redressez-vous. Petit étirement du quadriceps, peut-être en se tenant la main si vous avez un partenaire, le mur, une chaise, ce que vous avez. Si vous avez de l'équilibre, tant mieux. Si vous n'arrivez pas à attraper le pied, vous prenez une chaise. Là, je ne l'ai pas, mais vous posez le coup de pied sur la chaise et vous pensez toujours à la bascule du bassin. Ok, on peut le faire 30 secondes, 20 secondes, un petit peu, ça fait toujours du bien en fin de séance. Étirez tout le côté. Si vous avez envie d'approfondir un petit peu vos étirements, de vraiment prendre le temps de vous détendre aussi physiquement et aussi émotionnellement, eh bien n'hésitez pas à suivre une petite séance de yoga, une petite séance de stretching. Vous en avez sur ma chaîne, vous avez aussi
du stretching sur la chaîne Move Your Fit. Hein, je fais un petit peu la promo parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais mon tapis, c'est un tapis Move Your Fit. Si vous voulez continuer le HIIT, je vous conseille leur chaîne. Ce sont les spécialistes, Alexandre et Jessica. Si vous voulez faire un petit peu de renfo, un petit peu de muscu, il y a la chaîne de Jonathan. Et si vous voulez suivre des cours de pilates traditionnels, entre guillemets, des cours de yoga, n'hésitez pas à checker sur la bibliothèque, dans la bibliothèque de cours de ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi faire les programmes 28 jours pour soi, ou acheter mon bouquin pour vous inspirer, pour vous-même créer et suivre les exercices que je vous conseille dans ce bouquin. J'ai tout dit, maintenant il n'y a plus qu'à aller se doucher, prendre le temps de redescendre un petit peu en température. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous, n'hésitez pas à laisser un commentaire et, comme je le disais tout à l'heure, à partager cette chaîne à votre entourage, à une personne qui en a besoin. Voilà, même si on n'en a pas besoin, faites-lui cette petite proposition. Elle accepte ou elle n'accepte pas, en tout cas. M'en parler, c'est une manière aussi à moi de pouvoir transmettre mes connaissances à un maximum de personnes. Je vous embrasse, prenez soin de vous, à bientôt, bye.